Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour avoir un bon plat? Maman Pépé, elle est mangée. Hein? La top. Toujours en train de manger, toujours, toujours, toujours en train de manger, toujours en train de manger. Les bons plats comme ça. Attendez, je vais vous montrer. Les bons plats comme ça là. Le goût de ça. Les bons combos comme ça là. Pour attraper, c'est compliqué. Mon mari, on aime la chop. On aime chop. En tout cas, c'est bien fait. Quand c'est bon. Aïe. Quand il voit la nourriture, regardez comment il tremble. Bonjour. Bonjour. Quand maman Pépé voit la nourriture, elle tremble. Bonjour. C'est comment? Vous allez bien? Mais moi, je viens de me réveiller. Je vais aller retoucher ma coiffure. Vous savez que j'ai un mariage demain, non? Donc, j'étais en train de fouiller. Je vous ai dit que la dernière fois que j'ai des mariages, mais je n'ai pas de vêtements. Je n'ai rien amené. Je vais porter mes anciens trucs qui sont ici dedans. On va se battre avec. Hein. C'est essentiel que quand tu peux mettre que ça aille avec toi. Voilà. Connectez-vous, je vais vous parler d'un petit truc, on va causer un peu. Mais avant ça, je voulais vous montrer que maman Pépé, elle aime bien manger. Elle adore la nourriture, vous avez vu, non? Je suis partout là, la nourriture, moi, je suis là, mon frère. Donc, c'est le courage. C'est pas poli, hein. C'est pas poli, mais c'est. Hein, vous comprenez quand je fais ça. Bonjour avec des cœurs. Merci. En fait, c'est pas poli. J'aime pas trop manger devant les gens. Hein. Je préfère encore boire. Mais manger devant les gens, je ne sais pas si là, il y a quelqu'un qui n'a pas mangé depuis 2 jours. Et moi, il vient manger comme ça, ça fait mal, c'est pas bien. Et il y a des gens qui sont dans des pays qu'ils ne peuvent pas trouver des nourritures comme ça, là, ça les fait aussi mal. Désolé encore. Mais vous savez, le ndok, c'est le courage. Et puis. Mon mari, moi, vous n'avez pas vu, non. Vous avez vu, non. On est toujours là. Hein? 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 Capture. Hein? Je vais m'avaler les travers ici, mais trône de Dieu. On dit que mon mari et moi, on aime chop. On est toujours en train de chop, 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 chop. Maman, au goût de ça. Moi, je préfère moi chop à la maison. Hein. Hier, je suis parti manger le DG. C'était quand même bon. Mais si moi, je touche au DG comme ça, là, c'est le feu. C'est moi qui ne peux pas le DG comme ce qu'on a mangé hier, là. Je vais te déranger. Mais j'aime préparer à la maison. Vous voyez le gombo que j'ai fait là. C'est le akolo. Moi, j'aime le ndok. Sachez que quand vous m'invitez, il faut préparer parce que moi j'aime manger. Ma mèche, mon grand frère me sent. Star va me concorder quelque chose là. Vous savez qu'il n'est pas tout là où il y a la chope, mon frère. Hé, hey, la chope et le jonc. Ma baisse, Star me sent. Va me toucher un truc dans la manière de chez nous. Le feu. Maman Pépé aime la nourriture. Bon, j'attends que vous ayez au moins 101. Liga, j'ai mes enfants qui étaient ici hier. Je vous ai dit ça, non? Elles m'ont amené à Tchinga manger le DG. En fait, je crois que la maison, là, c'est la spécialité, c'est le DG et les tripes. On te sert Moussunga. Le Moussunga est gros comme ça, tu n'as pas envie de manger, même. Moi, c'est ce que j'ai mangé, c'était le DG. J'ai mangé le DG. C'était bien fait. J'ai aimé. C'était bon. Ouais, c'était bon. Quand c'est bon, il faut dire c'est bon. Le DG était bon, mais les tripes, pas trop ça.
Voilà, j'espère que vous allez bien. Vous savez, je vais poser ça d'abord. Je finis mon petit couscous là. Parce que quand le couscous se refroidit là, quand tu chauffes au micro-ondes, c'est pas pareil. Là, j'ai chauffé. Bonjour. En fait, vous savez que quand on est grande, hein, on ne force pas ces choses-là. Vous savez, quand on commet souvent des actes, la nuit porte conseil. Il y a des gens qui vous donnent des conseils. Quand des grandes personnes viennent t'appeler pour te donner des conseils, ne rejette pas. Prends ce que tu peux prendre. Pour, tu sais, on apprend tous les jours et on devient intelligente tous les jours parce que vous me donnez une force, vous me donnez une très grande force, qu'en retour, je vous dois aussi de vous donner la force et du courage et du respect. Voilà. En fait, pourquoi je parle comme ça, c'est parce que j'ai des personnes qui m'appellent quand ils voient que je veux me dérouter, qui me disent, Maman Perpé, non, tu es en train de te dérouter. Mes filles, les membres de la TKC, qui me disent, Maman Perpé, tu es en train de vouloir nous embrouiller. Tu nous fais sortir d'ici pour aller là-bas, tout ça, on ne comprend plus, tu nous fatigues. Je comprends, je vous comprends très bien. Je m'en excuse d'ailleurs parce que souvent, les problèmes peuvent venir de partout. Vous savez que moi, quand je commence, comme là, avant-hier, j'ai ressuscité les morts. Hein? Ça veut dire que le pape est capable à des pouvoirs. Tu fais la sorcellerie, mon frère. Je regarde comme si je vois quelqu'un qui est en train de me regarder par le truc. J'ai eu peur même. Sorcier. Donc, je ressuscite les morts. J'ai appelé certaines personnes à la barre et directement, tic, ils ont apparu. Vous voyez ça? C'est pas le pape là, c'est le pape. Donc, ce que je vais dire en fait, j'ai des gens qui me donnent des conseils, qui me disent, voilà Maman Perpé, ce que tu fais. Et c'est vrai qu'avant souvent de venir, moi j'ai ce défaut-là, vous m'avez déjà reproché ça, que parfois je viens commencer à parler sans même se rassurer, sans même savoir si c'est vrai ou pas. Moi, la dernière fois j'ai eu le problème, c'est avec l'autre du Canada, parce que j'ai confondu, j'ai cru qu'on disait que l'autre a fait, que l'autre a fait, que moi je suis venu, c'est moi 26. Oui, voilà. Parce que je ne regardais pas moi les tirés des gens. C'est pour ça que quand il y a un truc, je préfère que vous m'envoyez, que je regarde, et là je parle. Donc en fait, je vais en venir à ma Béa. Je me suis mis sur la défensive parce que j'ai été au courant par plusieurs personnes qui m'ont dit que ma Béa était à la CNPS, qu'elle me cherchait et qu'elle devait me taper. Bon, bref, le rapport qu'on m'a donné, moi j'ai agi comme une petite fille, que tout de suite on m'a dit quelque chose. Pac, allez, j'ai pété un câble. Donc moi, je vais demander ici, désolé à ma Béa, hein, c'était un malentendu. Moi, j'ai compris que tu t'es senti concerné de mes directs, de ce que je parlais, alors qu'au fond, je ne m'adressais pas, et pour de vrai, je ne m'adressais pas à toi. Il y a eu un malentendu, hein. Donc je suis désolé de ce malentendu. Voilà. Vous savez, dans la vie, hein, nul n'est grande, personne n'est arrivé. Personne n'est arrivé. Donc, quand tu sais que tu as fauté, reviens en arrière, dis voilà, j'ai fauté. Mais je n'ai pas fauté à 100%. Hein. J'ai écouté ce qu'on m'a dit. J'ai écouté des ragots, comme tout le monde. J'aime bien le Congo, ça, moi. Donc, dès qu'on m'a dit, je me suis mis sur la défensive et direct, j'ai agi. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas vu le direct ou l'entrée de me clasher. Donc, bref, ce n'est pas pour dire que j'avais raison. Hein. Non, je demande, je dis, je suis désolé de ce qui s'est passé. C'est un malentendu, on ne doit pas en arriver là. Voilà. Et je dis à Maté Cassé, comme vous m'avez toujours dit, que moi, je passe le temps à vous embrouiller. Vous êtes sur un dossier, vous quittez sur le dossier pour aller sur un autre dossier. Ce n'est pas mon but. Ce n'est pas de vous faire balader comme certaines personnes. Non. Le but, c'est
d'aller droit à notre but. Voilà, c'est ça en fait. Donc je suis désolée, c'est un malentendu. C'est pour ça que je dis souvent, avant de commettre des actes, il faut bien réfléchir d'abord. Moi, quand je fais ma chose, j'assume. Hein. Je sais qu'il y a toujours des retours, mais j'assume. J'assume, j'assume. Bon, j'ai des conseils, j'ai des gens qui m'ont appelé pour me dire que ma fille, est-ce que tu as vu là d'où on t'a insulté? Est-ce que tu as compris la vidéo? Est-ce que... J'ai dit, mais depuis que j'ai dit, envoyez-moi la vidéo pour que je voie, je n'ai pas vu de vidéo. Donc, du coup, quelque part, je suis un peu fautif, malgré que je n'ai pas prononcé le nom de quelqu'un, mais... Quand je parle quand même, on sait que tu parles de telle personne, elles sont plusieurs. Mais je pense quand même que je suis allé un peu trop loin parce que, comme mon fils m'a dit hier, que je ne pense pas que c'est toi qui venais chercher, elle devait avoir ses démarches là-bas à la CNPS. Je ne pense pas. Et moi, je n'aurais pas compris que une grande femme comme ça va venir me chercher. Pas bon. Du coup, je suis désolée, hein. C'est un malentendu et l'erreur est humaine. C'est passé, c'est passé. On tourne la page de ce côté-là, on avance. Hein. J'espère que je ne vais pas décevoir certains d'entre vous. Je l'espère bien que vous ne serez pas déçus. Vous savez, maman Perpé, c'est quelqu'un. J'aime la paix. Les gens me prennent pour une haineuse, pour une méchante. Je ne suis pas méchante. Hein. Je ne suis pas méchante, mais en fait, je suis quelqu'un, il ne faut pas provoquer. Quand tu me provoques, tu me trouves sur ton chemin. Non, il ne faut pas me provoquer. J'aime pas quand on me provoque. Je vous ai dit que la femme qui m'a mise au monde, quand elle me provoque, elle me trouve. Elle me loupe pas. Quand elle me provoque, elle me trouve sur son chemin. Je suis comme ça, c'est moi. Je suis comme ça, je ne peux pas changer. C'est tout. Donc, on va continuer à nos challenges. Hein. On va continuer à nos challenges. J'ai vu la capture que vous avez fait quand j'ai fait comme ça dans la nuit. C'est joli. J'ai vu ça ce matin. C'est autant de trucs que la vache folle ne sait pas. Dis, je suis désolée. Le jour qu'elle saura dire, je suis désolée. Le jour où la vache folle va savoir dire, je m'excuse de mon erreur. Je m'excuse de t'avoir offensé. Elle va évoluer, elle va progresser. Ça ne tue pas. Est-ce qu'on m'a tapé pour me dire de venir faire ce direct? Non. J'ai écouté les conseils des gens. J'ai écouté. Et je trouve qu'ils avaient raison. Oui, il faut écouter les conseils. C'est important. Ça ne sert à rien d'entrer dans une guéguerre maintenant que ou qu'ils ne vont servir à rien. Et puis, dans ma TKC, je ne sais pas si je vous ai offensé, mais je préfère vous dire que je suis venu m'excuser et puis dire que c'était un malentendu. Ça peut arriver, les malentendus. Même avec Alain dans la maison, il peut y avoir des malentendus. Tu peux dire à l'enfant. Pardon, va chercher la app. Elle peut aller chercher la Castel. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, je viens déjà vous demander à vous aussi, ma TKC, encore des excuses. Hein. Je vous demande pardon de vous avoir entraîné dans ce bateau-là. Voilà. C'est fait. Je l'ai fait. Je l'ai dit. Peine, tu as déjà appris ma connexion. Tu me passes la connexion, je suis un message. Comme ça. Je suis en train d'envoyer un message à quelqu'un. Et tu leur demandes qu'on fait les factures. Je viens t'appeler. Il dit qu'il faut les factures de décembre. Je réfléchis un peu, mais c'est un peu. Nous, on n'aime pas les facturer avant. C'est urgent. Donc, je vais aller me coiffer tout à l'heure.
J'ai appelé à la barre et tout nous. Étape faux. Ils se sont présentés. Tu vois le gars qui mange les crottes du nez là, non? Qui parle du grand temps. Oui. Depuis, il était là dans la tanière. Je l'ai fait sortir de la tanière. Il est venu. Il est revenu. Ils ont fait un poste. Pour ton père et moi. C'est où? Je suis mon parti mettre là-bas. J'aime. C'est bizarre que tout le monde fait le directeur de la mouture. Comme on dit, deuxième job là-bas. J'ai la app là-bas, mais je préfère boire ça. On mange et boit. Après, on continue. Poum. Le goût de ça. Si le gars là pourrait me dire me coiffer sinon. Tu veux donner quelle idée déjà? Mais c'est pour ça que tu dis que tu pourrais venir me coiffer ici. Être coiffant, c'est en 20 minutes. Être coiffant en 20 minutes. Même pas en 15 minutes. C'est qui ça? Allô? Ouais, allô? Bonjour. Vadel. Quelle Vadel? La blinde à pink. Ah! Mon frère, toi tu me dis que c'est la part de Vadel. Dis que c'est Vadel, toi tu commences à dire que c'est la part de Vadel. Parfaitement. Trop bon. Le cube net, piment net, tomate net, tout net. Tu m'as attendu comment? Il y a une femme que fume le camp. Non, mon frère, mais ça me dit des bons. Toi, tu ne comptes pas les femmes comme ça, tu es fou. Une fois sur la maison, même à l'aise de manger devant les gens. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que ces gens sont en train de se réjouir comme si. Ils avaient, on les a seulement envoyé la photo là comme s'ils ont. Vous avez seulement capturé, ce n'est pas comme vous l'avez envoyé. Vous faites comme si. Les postes que nous-mêmes, on mange comme ça, nous-mêmes, on fait. On poste, comment ils sont en train de manger la bonne nourriture. Et tu dis non, quand il vient, il faut que tu organises un cuit. Tu vois que les montures, maintenant qu'on mange au cuit avant et après. Mon frère, mon père là, j'espère que toi tu as mangé. Il faut que tu fasses une vidéo en mangeant. Tu poses tout ça. Elle dit que toi et moi, nous sommes des choppers, le docteur, le courage, maman. Bon. Et vous, j'aime bien. Je suis obligé de partir. Je vais aller retrouver mon amour. Le goût de. Ça. Vous, on organise un cuit, je lance un direct pendant qu'il mange à mon gars. J'adore le cuit, c'est bon, hein? Très bon, c'est bon pour le ventre. Oh. Bon, je vous aime bien. Peut-être quand je suis à l'agence tout à l'heure, je vous lance un petit direct. Je sais pas, mais. Quand je suis à Douala, je vous fais une directe, d'accord? Et désolé encore, désolé. Tout est simple. Bon. Pour ceux qui ont passé les commandes, vous allez attendre mon retour de Douala. Ceux qui ont été livrés hier, là aujourd'hui, j'ai pas assez de temps. Je cours après le temps. Je cours après le temps. Et
Je vais parler seulement, ma fille va comprendre. Ma fille du Canada, j'espère que tu as passé, tu as quand même eu la force de dormir, hein, et que ça va. J'espère que tu as fait ce que je te dis hier, d'aller à l'église, allumer un siège et parler au Seigneur. J'espère que tu l'as fait. Mais sinon, avant que je ne prenne la route, essaye de me faire signe. Hein? Je t'ai dit, je suis à l'écoute. Il n'y a pas de souci. Je suis à l'écoute pour tout le monde, toute personne. Je ne suis pas... Je ne suis pas ce que vous voulez me faire passer. Pour. J'ai bien envie d'insulter Luc, mais en même temps, ça va me servir à quoi? Ça n'a pas d'importance. Et si je m'assois, que je dis que je ne connais pas insulter, mais si je m'assois, ma cible n'est pas Luc. Mais si je m'assois, parce que moi, je me tire plus vite que mon ombre. Hein? Vous voyez la gringa, non? Vous connaissez gringa. Quand gringa fait ça, elle bombarde, boum boum. Et elle fait ça. Elle fait vroum vroum vroum. Et même, tchap. Oui, oui, oui. Je suis une gringa nerveuse, hein? Quand elle fait ça, boum. Pam. On a le code. Donc calmez-vous. Pour l'instant, ça me fait encore rigoler. Vous avez mis pièce dentée de mon mari sur la toile. Ma pièce dentée sur la toile. Ma nourriture que je mange sur la toile, ben ça, c'est grave ça. Quand je mange, c'est le pape, on doit respecter, on ne doit pas venir. Non, j'ai encore rien dit. Vous avez fait la capture de mon sein que vous recherchez depuis. Ça, je vous laisse encore. Je vous laisse encore parce que vous avez cherché ça pendant des années. Pour l'instant, je ne dis encore rien. Quand je m'assois, aïe, j'imagine comment ça va faire mal. Parce que je ne bombarde pas souvent beaucoup. Hein. Je n'ai que deux balles. Quand je sors comme ça là, quand je fais pam, ça pique, ça entre jusque là comme ça là. Ça tourne. Hein? Oui. Moi je ne parle pas beaucoup. Mais quand je veux bombarder en vrai. Jusqu'à vous, c'est là alors que vous allez me traiter vraiment. Je vous préviens déjà que vous allez me traiter de haineuse et de sorcière. Oui. Oui. Ah, salut, on peut vous venir vous dire non. Pour vous, ce n'est pas la morve qui va sortir. C'est le sang qui va couler dans les yeux. J'ai encore d'autres choses à faire. Il faut être là-bas. Sur ce, je vous aime bien. Et désolé encore une fois de plus. Hein. Bon début de journée et bon week-end. Hein. En sachant que, en ce moment, je suis trop fan des directs. À tout moment, j'ai toujours envie de lancer un direct. Bisous là-bas. Voilà, ciao, ciao. Mm-hmm.